10h demain. Je suis on ma belle. Bonsoir. Bonsoir Franck, le roi Franck Omboa, comment tu vas? M'entendez bien? Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir reines et rois. Comment vous allez ce soir? Bon, je sais qu'il y en a qui font le jeûne. Attendez, je sors les arachides. Tu vois quelqu'un qui vient dans ton bureau comme ça là. Où est bien les arachides? Les petites graines. Donc on peut taper les commentaires. On fait les divers, c'est comment? On fait les divers, je mange. Comment bon? Bon, hier j'ai commencé à enseigner. Je n'ai jamais exposé au téléphone. Je crois que ça va finir bientôt. Oh merci Abdul. C'est une nouvelle couronne. Moi, tous les couronnes. Tatiana, comment tu vas? Lily, bonsoir. Asseyez, vous prenez les arachides, vous mangez. Et vous tapez qu'à la cuisine. Avec le sucre et le citron. Monsieur Marshall Foyou va amener le smoothie. Chaque soir, il va chercher le smoothie, ça n'arrive jamais. Je ne sais pas pourquoi. Bonjour, bonsoir la reine Edou. Bonsoir reine Meka. Un très grand bonsoir à toi. La reine étoilée. Ok, je commence après le grand jeu. Vous allez seulement venir pour le couronnement ici à Douala. Je dis que vous allez venir. Il y en a pas mieux que vous allez venir ici là. Vous allez ramasser même 5 bijoux pour partir avec. 5 couronnes différentes. Ça, j'ai découvert ça hier. J'ai cherché le genre. Si vous connaissez mon écharpe là, le bout d'un bout de mon écharpe est comme ça. Hier, j'ai découvert ça. J'ai dit, on a créé ça pour moi. Donc, j'en ai pris beaucoup pour moi et pour vous. Ouais. Le matériel de choisi est déjà là. C'est arrivé aujourd'hui. La reine Nathalie, mais capoteau alors. Hein. Quand elle cherche mes bijoux, hein, ça doit m'appeler. Déjà qu'elle reste comme ça. Je vais dans le magasin.
Quand je me demande, l'esprit me dit pas que quelque chose, l'esprit me dit, va, prends ça, ça. Et je prends, même si on met sur les pieds, moi et même pas sur le cou, ça va donner. Si on met même pas sur le cou, alors on met sur le pied, ça va donner. Si les bras, on dit qu'on met sur le ventre, et même pas sur la tête, ça va donner. C'est comme ça que tu connais. Parce que, en vrai, intuitivement, tu connais comment utiliser quelque chose. Non, le roi Foyot, tu as toutes les excuses. Je vais t'enlever. Tu ne fais plus les arachides. Tu ne fais même plus les smoothies. Tu dis les embouteillages, on fait quoi? Cette couronne, hein, ça va. Je vais commencer à nommer mes articles. Il met les noms. Elle s'assoit facilement sur vos têtes. Multicolore, donc ça va avec tous les vêtements. J'ai mis ça parce que mon habit était un peu très jaune. Il y en avait une bleu blanc. Il y avait ça. Et puis l'autre aussi. Pour mettre ce matin. Vous pouvez nuancer un peu avec du candéma comme ça. Vous savez comment ça fait plaisir à votre âme et à votre esprit quand vous vous habillez bien. Tu t'habilles comme ça, tu mets. Enlevez, j'avais d'autres bijoux ici le matin. Enlevez. Les vêtements modernes, c'est quoi? Vêtements, c'est vêtements. Tu me dis quoi? La dernière fois que j'ai déposé le magasin sur ma face, je suis passé à Balafon TV. J'arrive. Et hier, ça fait 3 mois, je me maquillais. Je suis parti faire mes longs ongles bien. Hein. Et je, pour avant de faire les ongles, là, l'esprit me disait que va faire les ongles. Je suis parti faire. Voilà. Quand il fait, regardez, ça me plaisait. Je suis comme ça. Ah, Kuna. Après, un mois, l'esprit m'appelle encore fort, fort. Je reviens encore aux racines. Fort, fort. J'arrive à Balafon le jour-là. Je crois que peut-être 2 jours avant, j'avais coupé mes ongles moi-même. J'ai taillé moi-même. Oui, je connais Dokoti. Tu as Dokoti? Ya. Yeah. J'ai coupé mes ongles moi-même. J'ai enlevé. Après, 2 ou 3 jours plus tard, je passais à la télé Balafon. Me voilà maintenant. Après, Nathalie Meka, tu connais. Faut venir, on va faire. J'ai le tailleur, j'ai les tissus. Il y a derrière les bijoux. Maintenant, il faut seulement qu'on fasse les modèles. Tu vois les modèles inspirés de l'esprit là, non? Je vous aime, je vous aime. Donc j'arrive sur le plateau, on devait me maquiller. On devait me maquiller. Tatiana, je sais que tu me suis depuis au moins 3 ans. Quand ton esprit évolue, à l'extérieur aussi, tu te révèles et tu deviens le vrai toi. Bonsoir Sidonie. Donc j'arrive, la fille qui maquille vient. Elle vient sur mon visage. Regardez mon visage, regardez. Ça, c'est les taches de... Ou c'est quoi les taches de rousseur? C'est quoi là-haut? Voilà, il n'y a qu'un bouton que j'ai sur mon visage, c'est ça là. Mais ça, c'est les taches de rousseur, tout ça là. Ici, là, c'est les taches de rousseur. Donc, elle me prend, elle commence. Elle met la poudre sur moi. Pou. Elle fait le concealer. Elle couvre cela. Elle fait mes sourcils. Je regarde, je pousse comme ça, elle me regarde. L'esprit me dit, enlève ça vite. J'ai dit, ma chérie, excuse-moi, tu as le make-up remover. Elle me dit, j'ai pris. J'ai enlevé tout ce qu'elle a mis sur mon visage. Et mes sourcils, même, ils ont bien poussé. Regardez comment ils sont pleins maintenant. Je retire tout. Je prends le brillant à lèvres, je mets sur mes lèvres. Je passe sur le plateau. Elle s'est fâchée. Oh, en tout cas, moi, vraiment, je te maquille, tu fais comme si tu ne te simplifiais. J'ai dit que non, moi, chérie. Que j'ai mes phases. Si l'esprit me dit que je me maquille, mais ne me maquille pas. Donc, ne me forcez même pas. Donc, ça, c'est la dernière fois. Ça, c'était, ça fait 1 mois et 2. 1 mois et demi, je pense. 1 mois et demi, oui. Depuis, je n'ai plus envie de mettre quelque chose sur mon visage à nouveau. Donc,
on m'a invité dans un événement pour parler. Je vais dans un événement pour parler, peu importe où je pars. Je porte mon habit africain. Je mets mes bijoux. Pourquoi quand quelqu'un porte l'habit des Européens, on ne trouve pas que c'est anormal? Mais quelqu'un porte l'habit des Africains, on dit, hey, tu t'habilles maintenant comme les Africains. Je suis africaine. Je suis africaine. Restez, je vais parler de mon sujet, je vais parler des anges. Je vais parler. Serge, bonsoir. Le roi Doun, toc. Et c'est là que je me rends compte que même en Afrique, on est ici en Afrique, nos propres gens en Afrique ne s'habillent pas comme les Africains. Vous avez dit que ça c'est l'habit de ma grand-mère, non? Ça c'est pour ma grand-mère. Je suis allé au village, j'ai pris ça dans sa cantine. Ma grand-mère est décédée, ça fait 7 ans. Et elle est morte, elle avait peut-être 70 ans, 73 ans, un truc comme ça. Ouais. Donc, voilà ce que j'ai pris dans son armoire. Il y avait le modèle sur ça, hein. Le modèle jusqu'à... Vous voyez ça? Regardez. Vous avez vu le genre de gang ici? Dites-moi même, vous avez vu le genre qu'on fait que la femme ne que pas ici? Ma grand-mère, la mère ne blaguait pas. La mode, c'est dans la famille. Jusqu'à les poches. Voilà, les poches, c'est là. C'est dans la famille. Erika, bonsoir. Tu as de regarder mon habit. Yes. Bon, je vais aborder maintenant. Hier, j'ai commencé à enseigner dessus. J'ai eu des problèmes de connexion. Sauf chose que je n'ai jamais eu en 2 mois que je fais les directs chaque jour. Donc, peu importe ce que le diable va vouloir faire aujourd'hui, là, c'est mort. Donc, nous verrons bloquer toute interruption, toute interférence entre le monde des ténèbres et cette vidéo. Pendant que j'enseigne, je déclare que votre compréhension va être ouverte. Je déclare que vous allez revenir à vous. Vous allez vous rappeler de qui vous êtes. Je demande au Seigneur de vous donner le discernement pour que vous sachiez ce qui est vrai. Que vous ne preniez pas seulement tout ce que je dis en disant que c'est elle qui a dit, mais non, elle a dit et l'Esprit a confirmé. J'active aussi votre vision intérieure. J'active vos oreilles spirituelles. J'active vos dons. Pendant que je parle, que votre ADN s'active. Que votre ADN s'active, que ça vibre à une fréquence qui va même vous élever. Si bien que vous allez sentir que vos fesses ne touchent plus la chaise. Ouais. Au nom de Jésus, amen. Je mets le feu sur vos mains. Je fais le feu sur vos pieds là. Maintenant que vous êtes en train d'écouter là, comme ça, vous vous activez. Au nom de Jésus. Je touche aussi votre langue. Voilà. Pendant que je parle, ceux qui ont le don de la parole, ceux qui sont appelés à être des orateurs comme moi, votre langue va beaucoup piquer. Ça va vraiment piquer là. Vous avez senti que ce qu'elle dit là, c'est sucré à ma bouche. Parfois, c'est même un peu plus bon que quand tu fais l'amour là. Quand tu es dans ta mission de vie, vraiment, c'est très sucré. Let's go. Je vous ai dit hier que j'ai commencé à vous parler un peu de vous avant que vous n'arriviez sur la terre. Ce n'est pas votre première vie. Très 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 peu de personnes qui sont sur la terre maintenant, c'est votre première vie. Ceux qui sont religieusement corrects, qui veulent checker, disent wow, la Bible dit que wow, s'il vous plaît, excusez ma vie. Passez seulement, en fait, je passe, vous passez. Voilà. Ceux qui veulent vraiment savoir, connaître la vérité, se restaurer. Il y en a ici, là, vous connaissez là, tout ce que je suis en train d'enseigner. Vous dites, ah tiens, la maternelle. Bonsoir Diane. Minette, bonsoir. La reine Minette, la reine Kenny, bonsoir. Bonsoir Changi Chuan. Roi Oren, bonsoir. Vous savez, dans la tradition Bamileke, souvent quand ils font ma couche, je dis, oh, c'est mon père qui est né. Alors que son père était mort, ça fait 5 ans, ou 10 ans, ou 15 ans. C'est pas parce que nos grands-parents ne lisaient pas la Bible, ou arrière-grands-parents, ou bien génération, genre 5-10 générations plutôt. C'est pas parce que ces personnes ne lisaient pas la Bible que ces personnes n'étaient pas connectées à l'esprit. L'esprit enseigne. L'esprit vous montre.
C'est la petite voix qui est à l'intérieur de vous là. Va comme ça. Amen, Franck, amen. Tout sort qui a été lancé pour vous aveugler ou bien pour vous étourdir, nous le brisons maintenant au nom de Jésus. Et je parle de quoi? Bonsoir Vénus. Je parle de quoi? Tu parlais de quoi? T'as oublié. Tu parlais de. Oui. Donc les parents connaissaient que. Merci. Les parents savaient que l'esprit les a enseignés. Ce n'est pas la première vie, ce n'est pas la deuxième vie. Merci, que c'est l'esprit qui enseigne. Donc, telle personne, le voilà. Il meurt peut-être. Et la mère, il meurt, sa fille accouche. Ou bien la nièce accouche. Bon, il y a aussi d'autres que vous êtes appelés à être magnétiques, tout ça là. Donc, ça, je ne vais pas rentrer dans ça profondément aujourd'hui. Mais j'ai juste parlé des esprits, des gens qui vous ont. Des ancêtres et l'Esprit Saint. On m'a dit comme ça. Les guides aussi. Bon, Esprit Saint, guide-moi. Je ne vais même pas dire ce qu'il avait dit. Guide-moi seulement. Voilà. Quand vous naissez, vous avez des anges gardiens. Et ces anges gardiens ne vous quittent jamais. Ils sont avec vous 24 sur 24. Tu dors, tu fais l'amour, tu es en train de faire cacao, tu fais n'importe quoi, il est là. Son rôle, c'est de veiller sur toi. Mais il n'a pas le droit parce qu'il y a des lois spirituelles. Il ne peut pas quitter de son monde invisible. Ok, certains sont en train de me saluer là. Il ne peut pas quitter son monde invisible. Il vient l'atterrir dans notre monde. Il brise un code, c'est impossible. Maintenant, un peu comme dans un jeu, on a les règles du jeu. Que vous pouvez communiquer entre vous, avec les, vous clignez des yeux comme ça là, ou bien vous faites comme ça là, ou bien vous faites... Je ne sais pas, siffloter. Son rôle en cas de danger, c'est de vous protéger. Mais la plupart du temps, il va vous protéger en vous poussant à faire quelque chose. Peut-être que tu veux voyager. Il sait que la voiture là va faire l'accident. Tu arrives, tu oublies ton passeport. Tu oublies tes choses. Tu es même bloqué dans les embouteillages. Tu sors, tu prends la moto. Tu dis que je vais que prendre le bus là. Je vais que prendre le bus là. Tu arrives maintenant, tu te rends compte que tu as oublié ton passeport. Tu ne peux plus voyager. Donc, il va te faire des erreurs. Alors que tu avais mis le passeport sur la table. À la dernière minute, quelqu'un, tu as dit, oh non, il faut que je passe le gâteau là-bas chez la femme. Tu es parti en fracas. Pouf! Tu as laissé le passeport sur la table. Donc, l'ange gardien veille à ce que tu ne heurtes pas ton pied contre une pierre. Ou que tu ne te mettes pas avec des gens qui vont heurter leur pied contre une pierre. C'est aussi le même ange gardien qui souvent... Tu veux peut-être partir avec un gars et on sait que l'ange gardien sait que le gars, ce n'est pas un bon gars. L'ange va te dire, arrête la relation. Tu ressens ça, tu sens une voix qui te dit, je vais d'abord vous préciser que vous ne pas, les pensées qui passent dans vos têtes là, ce n'est pas vos pensées. Au moins la moitié de vos pensées, ce n'est pas à vous. Ah, qu'est-ce que la femme a dit même? Donc, on a les anges gardiens, on a aussi bien sûr les esprits maléfiques qui vous parlent. Et ces esprits viennent aussi des associations que vous avez avec les gens. Peut-être que tu es parti rester avec telle personne qui faisait une mauvaise chose. La personne fume. Tu dois te fumer aussi. L'ange te dit arrête oh. Arrête oh. Dès qu'il te dit arrête oh, ça, la personne a dit non, prends mon, tu vas, tu te retournes. Dès que tu fumes oh, ça, là, un gars vient, il te prend, pam, boum, vous partez. Et voilà les reines là, les gens ils me saluent même pas, ils vous saluent, ils me saluent même pas. Ils viennent seulement mettre ton ange gardien, c'est une fille, hein, Franck, on doit. Tu peux la décrire? Tes cheveux sont comment? Les cheveux jaunes? J'ai toi, je sens vraiment, c'est comme si les cheveux sont très clairs. Ok. Vous pouvez demander, hein, demander à vos anges gardiens, ils vont vous dire, demande à l'ange gardien, tu es comment? Et ça va venir à travers des idées. Des idées. Maintenant, là c'est l'ange gardien. On a les grands anges, les généraux. Tu vas voir Michael, Michel, Raphaël,
Gabriel, il y a encore quelques archanges là. Ça, c'est vraiment les top que la Bible dit. Mais il y a d'autres, donc, par la foi, tu peux demander à ton ange, est-ce qu'il y a un archange qui veille particulièrement sur moi? Si oui, donne-moi son nom. Tu vas rester dans ça, un nom va te venir en tête. Mm-hmm. C'est pas la science-fiction. Le monde a tellement joué sur votre psychologie, en vous faisant croire que une courte fille comme toi là, tu sors de Tungan, tu penses vraiment que tu peux avoir une idée parce qu'un ange te parle. Si tu es en vie, si tu as la chair comme ça, tu as un ange. Au moins un ange. Oui, oui. Testons-le maintenant là. Demandez à vos anges à quoi ils ressemblent. Là, allez-y. Décrivez-les-moi. Ils vont vous dire. Tu peux avoir une idée que. Il a les lunettes de génial idée. Il a la guitare. Bon, je blague. Voilà. Voilà, ouais, Mika, Mikaël, c'est ça. Mika, c'est voilà. Posez-le la question, dites-moi ce qu'ils vous disent. Le tien a dit quoi? Les tiens ont dit quoi? Moi, mon ange gardien, il y a l'ange Michael qui est là. Et il y a aussi une femme qui est là. Ok. Mm-hmm. Gabriel, oui. Bonsoir Wally. Bonsoir Augustine. Charlotte, bonsoir. Vous n'avez pas qu'un seul ange avec vous. Jésus a dit à un passage de la Bible, il y a une légion. Une légion. Légion, ça veut dire qu'ils sont au moins 12 000. Araël, oui. Dites non. Laure et Raphaël, oui. Bonsoir Mika. Déjà, je salue tous vos anges. Bonsoir. Waouh, ils répondent. Ah, ils sont en train de me remercier pour ce que je fais. Oh my gosh. On s'est dit que c'est vrai que certains d'entre vous êtes un peu têtus. Ils vous parlent, vous n'entendez pas. Vous doutez tout le temps d'eux. Mm-hmm. Oui, Isabella. Isabelle. Quand elle parle, on sent comment mes bras sont en train de s'activer là. Wow. Ils sont vraiment en action là. Bonsoir la reine Siwe. Eric, j'ai donné pour devoir à tout le monde qui m'écoute. Demandez dans votre cœur. Vous communiquez avec votre ange dans le cœur. Demande à ton ange comment il s'appelle. Et pour ceux qui ont rien dit le nom, là, demandez-le de montrer leur apparence. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Arrêtez de dire que vous ne les connaissez pas. Ce que tu dis, tu as. Pour entrer en contact avec eux, la première chose, vous devez déjà au moins leur parler. Quand vous regardez les films, les blancs parlent seuls tout le temps. Ils parlent avec le chien, ils parlent avec l'air, ils parlent avec la tombe de quelqu'un, ils parlent avec ceci. Chris me fort, le coaching t'a donné la chair de poulet. Ok. Je sais pas ce que ça veut dire. Bonsoir le roi Saint-Pice, Georges Osiris. Mm-hmm.
Le truc, c'est que vous aimez tellement quand c'est le blanc. Oh, voilà, le blanc, il parle, oui. Vous allez voir le film, vous allez croire. Vous allez dire, oh, ouais, fais comme ça, parle-lui. Quand on dit que vous avez un ange, on vous a dit que non. Je vous ai dit que vos pommes de main vont beaucoup chauffer ce soir. Taba de Luluna, continue à dire que tu ne peux pas entrer en contact avec eux. Continue. C'est ce que tu dis que tu auras. La spiritualité est très simple. La spiritualité est très simple. Ce qui fait que les gens qui étaient trop forts à l'école, là, vous aimez trop. Les gens qui sont en Allemagne, là, vous arrivez en Allemagne, on vous a mis le cartésien dans la tête. Voilà. Des cheveux blancs, une veste de peau d'animaux, poilu marron, une robe se terminant en nuée. Voilà. Voilà. Franck est sûr que son âge, c'est une femme. Elle a l'apparence féminine, c'est pas que. Ouais. Elle a tout un royaume qui travaille pour toi. Écoutez, hein, si vous n'êtes pas conscient de votre puissance, c'est pour ça que Jésus s'est mis devant Ponce Pilate. C'est comme ça qu'on t'amène devant le président de ton pays. Tu te mets devant lui comme ça. Il dit, tu t'appelles comment? Tu es roi. Toi, Jocelyne, tu le regardes dans les yeux. Mon royaume n'est pas de ce monde. Est-ce que vous voyez le culot qu'il faut pour se mettre devant notre président pour lui dire, mon royaume n'est pas de ce monde. Que si je veux, j'ordonne mes anges, je viens vous mettre tous à terre. Jésus ne vivait pas dans votre monde physique. Et il a dit que si vous croyez en lui, vous allez faire même plus que ce que lui fait. Jésus a marché sur l'eau, vous allez voler. Pour certains, c'est la première fois que vous entrez consciemment en contact avec vos anges. Et pour vous, ce sera un peu bizarre. Genre, vous avez posé la question, une idée est venue. C'est la première idée qui vient généralement. Hein. Ouh. Le monde spirituel n'est pas limité par les murs. Je peux être dans cette petite pièce. Dans la pièce là, j'ai 500 000 anges. Donc ils ne sont pas limités comme nous. On dit non, il faut l'espace. Après, s'il y a trop de personnes ici, on va manquer d'air. Il faut ouvrir les fenêtres. Il faut la clim. Ils ne sont pas limités par tout ça. C'est pour ça que ceux qui ont déjà rêvé de leurs anges, c'était quand vous rêvez de vous partez. Vous voyez que dans un jour, quand vous marchez avec eux, quand vous pensez, ils entendent vos pensées. Parce qu'ils ne sont pas limités par la. Ok, je dois parler, j'attends que WhatsApp envoie là-bas, j'attends que Facebook envoie chez vous. Non. Et quand vous allez commencer à travailler ça, vous pouvez communiquer à vos anges ici. Ou à travers la poitrine. Donc tu te concentres, tu fais l'espace dans ta poitrine. C'est ton esprit qui va faire ça. Tu te concentres. Tu fais l'espace dans ta poitrine. L'espace en fait c'est genre, j'ai l'espace où t'écouter. Tu dis bonsoir. Tu vas entendre un écho qui va te dire bonsoir. Comment tu t'appelles? Demande-lui, est-ce que tu es mon ange gardien? Et je sais aussi qu'avant, on a trop mis des trucs, des photos, on vous a fait peur. Oh non, tu sais, si tu parles avec une voix dans ton cœur, ça veut dire que tu es possédé. Quand tu communiques avec ton ange, tu sens la paix. Bonsoir, Flora. Tu sens la paix. Farine, bonsoir. Donc,
Les généraux, les anges qui sont généraux, voilà les noms qui sont donnés, Nanaël. Les anges qui sont les généraux, généralement, sont eux qui commandent. Et écoutez, l'ange n'est jamais trop occupé. Il y a 8 milliards de personnes sur la terre. Bonsoir, Amel, la reine Amel. Il y a 8 milliards de personnes sur la terre. Michael peut aller faire le travail de 8 milliards de personnes. Il n'est pas limité, genre, ok, mais Jocelyne, je ne peux pas parce que je suis en train de servir Nadine là-bas. Je ne peux pas, je suis en train de servir le roi Feuillot là-bas. Il n'y a pas ça sur ça. Donc, je vais un peu déconstruire vos mentes, ce que vous avez dans votre esprit. Parce que le travail que vous êtes appelé à faire en tant que choisi demande une connexion quotidienne avec vos anges. Tu te lèves le matin comme ça, pouf, tu es encore dans le lit. Hein. Tu souris, tu dis bonjour. Ou dans ton cœur, tu dis bonjour. Parfois, elle demande comment tu as dormi. Et après, tu vas entendre sa voix. Parce que parfois, c'est un autre ange qui est en train de te rappeler les instructions qu'ils ont données dans le rêve. N'oublie pas, va là-bas, tu dois appeler. Tu dois appeler tata Jeannette. Oui. Oui. N'oublie pas. Bon, Franck Gondois dit qu'il veut faire un témoignage. Depuis le début de l'année, j'ai décidé de réactiver mon côté spirituel. J'ai imposé à ma mère de me faire un bain de 3 jours, les 3 premiers jours de cette année. Et depuis, ma vie est comme sur des rails. J'ai été renommée au bureau. Dieu a aidé à faire renommer mes collègues. J'ai perdu ma mère en juin. Mes soucis de papier, petit à petit, sont en train d'être résolus. J'ai trouvé la page grâce à une tante. Ok, je veux te préciser que quand vos parents meurent, ils sont encore plus puissants dans le spirituel que quand ils étaient avec vous dans le vivant. Vous savez, quand vous perdez, parce que moi j'ai perdu ma mère, hein, donc je parle pas en vous disant, ouais, moi j'ai perdu ma mère quand j'avais 19 ans. Pour moi, je me disais, ça c'est au moment où j'avais le plus besoin d'une maman pour me conseiller, voilà. Et pendant des années, j'ai un peu galéré parce que je ne savais pas. Je me disais, ok, quand elle est morte, c'est fini. C'est fini. Le plus grand généraux s'appelle Onyx, ok. C'est le roi très puissant. Ok, merci le roi Osiris. Je me disais que c'est fini. Jusqu'à ce que, au fil des années, de temps en temps, quand je laisse, il y a des moments quand je me laisse mon côté spirituel un peu s'ouvrir. Je suis en communication avec ma mère. Et certains d'entre vous, vos parents sont morts depuis, ça fait 25 ans. Hein. Ça fait 25 ans. Et vous vous dites que voilà, ça fait longtemps. J'avais 2 ans et là, vos parents sont toujours... Dans le monde spirituel, il n'y a pas l'affaire de dire que ça fait 10 ans, ça fait 5 ans, ça fait ceci. Le temps n'est pas une limite. Donc, quand on a ces anges-là maintenant, on a ceux... on les appelle loved ones. Les gens qu'on aimait, qui nous aimaient, qui sont morts. Quand ils arrivent maintenant dans l'au-delà, ils sont là comme... Ils nous suivent aussi, hein. Mais eux, ils ont mis les organes, tout ça. Genre, si ta mère avait d'autres choses à faire avec d'autres personnes, ben toi, tu es sa fille. Il y a une partie d'elle qui sera en train de veiller un peu particulièrement sur toi. Genre, un prophète, quelqu'un est dans le direct comme ça, là, par exemple. Ok, j'ai des parents qui veulent même parler. Ok. Ils me disent qu'ils ne peuvent profiter que des opportunités comme ça, là, pour parler. Ok. Parce qu'ils disent que c'est dur. Dès qu'ils commencent à vous parler, vous commencez à dire, oh, vous commencez à appeler les gens. Que, j'ai rêvé de maman. Que, qu'est-ce qu'elle voulait même? Vous-même, vous commencez encore à gâter la chose. Bonsoir Nadège. Qui a perdu un de ses parents?
Comment tu me dis? Bonsoir. Absène, ton nom. Absène, je vois pas ton nom. Farène, Ombédé. Marraine, moi, mon grand-père m'avait parlé en esprit. Pourtant, je suis quand il est passé, il est déjà passé. Si on perd quelqu'un qui était méchant. Parce que notre méchanceté, ça reste aussi dans notre âme quelque part. Hein. Donc du coup, ok, Hortense, je ressens très très fort pour toi. Tu as beaucoup cherché le chemin. Tu as passé ton temps à dire que tu es seule parce que nous sommes partis. Beaucoup, beaucoup. Ta mère surtout avait une affection particulière pour toi. Quand tu étais enceinte, quand elle était enceinte, elle te parlait souvent dans le ventre. Écoutez, vos parents, parfois, quand vous êtes dans le ventre, ils vous parlent par la foi. Maintenant qu'ils sont morts, vous devez leur parler par la foi. C'est ce qu'eux, ils me disent de vous dire. Vous devez leur parler par la foi aussi. Parce que quand on parle au bébé, on n'est pas sûr que le bébé comprenne. Et puis, vous devez aussi arrêter de laisser les gens vous dire comment vos parents étaient. Arrêtez d'attendre que les gens vous décrivent comment vos parents étaient. Eux-mêmes, ils vont vous parler. Ils sont déjà en train de vous parler même. Je vois une personne en particulier, souvent quand tu as des problèmes, tu pleures, tu dis que si ma mère était là, tu pleures. Et ça te fait vraiment, ton cœur, vraiment, tu pleures. Elle te dit que je suis plus forte morte que vivante. Et quand ils m'ont tué, ils ont pensé qu'ils ont gagné, mais ils ne savaient pas. Oh, là, il me rappelle le passage de Jésus. Mort, on est encore plus fort que vivant. Parce qu'on ne voit pas seulement à un seul endroit. Vous vous rappelez que dans la Bible, quand le Seigneur dit « Si je meurs, c'est bien pour vous. Parce que je vais au Père. » Ha! Prêche, Jocelyne. Je prêche. On nous a toujours menti sur les choses. J'ai passé mes 8 ans que j'ai passé à l'église. Je me disais que ma mère, voilà, je bloquais toujours ça. Alors que c'est dans la Bible, c'est là, Jésus lui-même a dit que c'est quand il va mourir qu'elle serait plus efficace. Listen, people, listen. Oh my God, ils sont contents en plus. Ils sont contents. Ok, ils disent que beaucoup d'entre vous sont en train d'avoir des réponses à ce qu'ils croyaient. Vous étiez en train de douter. Vous n'étiez pas sûr. Mais ils disent qu'ils sont, contents parce que vous avez d'avoir les réponses. Mélanie, tu as appelé à restaurer la famille. Et ton père n'est pas content quand il voit la zizanie qu'il y a dans la famille. Quand il voit les tiraillements. Donc il faut que tu comprennes que son esprit est là pour te fortifier. Il y en a parmi vous, vous êtes même les successeurs spirituels de vos parents. Écoutez, il y avait les richesses physiques. Quand vos parents sont morts, on a tout pris. Avant que vous grandissiez. Et quand vous grandissez, vous dites... Il n'y a plus rien. Même le terrain, il n'y a pas. Même la cuillère, il n'y a pas. Maintenant, il y en a parmi vous, vous êtes les successeurs spirituels de vos parents. Et l'autre là, ça ne se donne pas. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir donner. Parce que vous savez, souvent quand un père mère meurt dans la famille, il dit voilà mon successeur. Les gens viennent, on commence à faire des problèmes. Non, non, celui qui a le plus d'argent vient. Toi maintenant, comme tu es trop spirituel, on commence à dire que, ah pardon, elle là. Mais... Il t'a donné la responsabilité là parce qu'il savait que c'est toi qui va rassembler la famille, qui va recoller la famille, qui va souder. Parce qu'il y en a parmi vos parents qui sont en train de voir comment les petits-fils sont menacés. Donc, ils sont morts. Maintenant, vous, entre vous, frères et sœurs, vous ne vous parlez plus vraiment. Vos enfants ne se connaissent pas. Vous-même, vous ne connaissez pas vos enfants, vos neveux. Ils ne sont pas contents. Et toi, par contre, tu es tout le genre que tu es toujours en train d'appeler tout le temps. Oh, comment vont les enfants? Voilà la rentrée. Ils ont parti à l'école. Comment vont-elles? Oh, telle. Et tous les autres n'ont pas ce cœur-là. Ne vous fatiguez pas. Ne vous fatiguez pas.
c'est quand ils viennent, ils parlent. Les parents connaissent leurs enfants. Hein. Le parent connaît que l'autre s'est sorti de mon sang, mais vraiment, s'il peut, il va même me tuer un jour. C'est l'autre là que quand je suis malade, il m'appelle toujours, papa, ça va. Que ses paroles sont là pour m'adoucir. Wow, je sens tellement leur énergie. Wow. Ok, attendez, je vais dire, attendez. On va en ordre. Et une femme qui veut parler à sa fille. Ta mère te demande de toi. Ta mère te demande de ne plus te sentir seule. Que tu as pris la bonne décision. Qu'elle t'assiste. Tu ne sais même pas encore. Il y a un moment, tu vas commencer à communiquer avec elle intensément. Jacques, quand tu vas rester, les gens vont même dire qu'elle est morte. Tu vas dire, pardon, qui t'avait ça. Et que ce que tu traverses, elle a traversé. Ça, elle a traversé beaucoup de choses difficiles. Et tu es en train de traverser ça aussi. Tu parais incomprise. Elle avait été incomprise. Mais la différence, c'est que toi, tu ne vas pas partir. Tu vas vaincre. Tu vas surmonter. Tu vas traverser cette montagne. Et tu vas arriver. Tu vas aller là où elle n'a pas pu arriver. Raïssa Simmons. Tu as beaucoup d'oncles, tantes, tu vois, les gens qui t'ont vu grandir, ils sont très... La grand-mère te dit, n'essaye même pas de faire le bras de fer avec eux. Ne fais pas le bras de fer avec eux. Laisse-les. L'autorité dans le monde de l'esprit, ce sont les esprits qui te donnent l'autorité, ce n'est pas toi qui cherches. Donc maintenant, elle va commencer à mettre dans ton cœur, tu vois le cœur d'une grand-mère, non. Une grand-mère pas, peut-être si l'enfant est malade, elle n'est pas soignée. C'est un truc. Elle va chercher, elle dit que viens, prends ça là, tu bois. Prends ça là, tu lèches. Oh, donc elle ne veut même pas savoir, elle fait seulement pour toi. Donc ne t'inquiète pas. Et aussi ta grand-mère dit que quand elle avait un cœur très bon, quand elle est morte, les gens ont beaucoup pleuré. Et beaucoup de vos grands-parents vous donnent la grâce, ils vous donnent la grâce de rassembler. Tu vois, les grands-mères qui quand même meurent comme ça, on dit que oh, c'est fini, la famille est séparée. Ils ont mis une grâce en vous que quand vous allez parler, vos oncles qui vous dépassent de 20 ans, 25 ans vont écouter. Et vos paroles vont sortir avec une notion de sagesse. Le genre que quand tu parles, les esprits qui dérangeaient vos oncles. Parce que quand les parents meurent comme ça, les esprits qui avaient même peur de vos parents quand ils étaient vivants là, ils n'ont plus peur. Du coup, ils rentrent dans vos oncles, dans vos tantes. Problème. Oh, c'est moi le successeur. Oh, c'est moi. Tu t'assois comme ça, tu restes, tu regardes, tu dis ouais. Maintenant, il faut qu'un enfant puisse reprendre ça. Tu reprends. Et certains d'entre vous, vous allez devoir repartir au village dans les jours qui arrivent. Vous allez arriver au village. Il y a des notables au village. Il y a des gens que quand vos parents arrivaient là-bas, ce sont eux qui dirigeaient vos parents. Ce sont eux qui ont initié vos parents. Ils vont vous trouver. Ils vont vous localiser. Parfois, vous entendez que ce sont vos oncles qui vous amènent au village. N'attendez pas. Ça, c'est le message de quelqu'un. Oh, je ne connais même pas là où on a. Je ne connais même pas qui est au village qui va me guider. N'attendez pas. Il y en a parmi vous que quand vous allez prendre la voiture pour arriver, ils seront déjà assis en route en train de vous attendre. Ils seront là, ils vont inspirer leurs amis. Ça m'est arrivé quand j'avais. Mon grand-père, moi, Diane, attends une minute. Une minute, Diane. Mon grand-père n'était pas le genre. Il avait beaucoup de petits-fils, beaucoup, tu vois, vaste. Et il avait un ami notable au village que je ne connaissais même pas. J'arrive. Donc ça, il m'avait trop appelé. Je suis partie là-bas en février, c'est pas ça. Je repars maintenant. Cette fois, je sens la connexion avec lui. Quand je suis en route, il délègue quelqu'un qui me dit exactement que fais comme ça. Tu vas arriver, tu vas partir. Il y en a parmi vous, il y a une personne en particulier. De son vivant, ton père te disait souvent qu'il partait sur une montagne à votre village. Je ne sais pas si tu es badounais ou pas. Et il partait dans cette montagne, là, il y a un lieu sacré là-bas. Toi, tu dois partir là-bas. Tu pars, même si tu ne connais personne, dis que tu veux seulement partir là-bas pour dire merci, donner le vin aux ancêtres qui sont là-bas. Et maintenant, quand tu vas aller, il y aura quelqu'un là-bas qui voit souvent ton père. La personne va te reconnaître. Il va te reconnaître et il va venir. Il va te prendre. Il peut même partir, peut-être il va te laver ou bien il va te donner certaines...
Il va te laver, voilà. C'est précisément laver. Et en partant, partez avec la nourriture, partez avec la personne qui fera ça sur vous, vous devez lui donner des cadeaux. Et il va même vous dire souvent que ton grand-père, ta grand-mère, on avait l'habitude de faire comme ça. On partait même souvent ici là manger. On partait là-bas à quoi? C'est là-bas qu'on partait au goron pour là-bas manger. C'est ça, ce sont les signes que vous aurez là-bas. Donc attendez, puis beaucoup d'entre vous, vous attendez, vous ne partez pas au village parce que vous dites que je ne connais personne là-bas. Quel est parti qui va me guider? Donc ils me disent de vous dire d'enlever ça, éloigner cela. Diane. Tu as trop attendu, Diane. Diane, tu es où? Tu es dans quel pays? Tu as trop attendu. Je te dis que tu as trop attendu. Tu as beaucoup douté aussi. Quand ils te montrent souvent des choses à faire, tu ne fais pas parce que tu te dis que France, ok. Ça fait combien de temps que tu n'es pas revenu? Il y a des choses qui te montrent de faire. Parfois, tu te dis que je n'ai personne pour me guider, que je ne connais même pas comment je vais faire. Je ne connais même pas comment je vais faire. Que laisse-les, ils te guident. Même si c'est que tu connais seulement faire un petit, fais d'abord le petit là. Quand tu vas faire, quelqu'un va te montrer. Tu vas encore une idée, une autre idée va venir. Et quand tu vas venir, si tu vas faire, ça, il y a beaucoup de choses que tu es en train d'attendre à France. Ça va te débloquer, ça va se débloquer. Je sais pas si c'est ton business, je sais pas où c'est tes papiers. Il y a des choses que tu attends là-bas depuis longtemps. Quand tu vas venir ici, et même si tu ne peux pas voyager pour l'instant, ceux qui écoutent, allez là-bas chez vous, là-bas dans le pays où vous êtes. Prenez une bouteille de vin. Les ancêtres aiment beaucoup le vin. Ils aiment le vin. Le vin rouge, j'avais pas du temps. Le blanc, là, c'est pour les blancs. Vin rouge. Tu prends le vin. Tu sais que tu n'as pas les papiers, tu ne peux pas voyager. Tu envoies quelqu'un ici là qui a un bon cœur, quelqu'un qui t'aime. Quelqu'un qui est gentil avec toi. Tu donnes d'abord le propre argent d'abord. Hein. Donc dépanne-le d'abord. Tu demandes de faire une nourriture. On part au village. On cherche la tombe. Ça n'a pas besoin d'être quelqu'un de ta famille. Hein, parce que dans votre famille, il y a beaucoup de vos oncles et tantes là. Ils sont tellement avares. Ils ont pris votre argent, pris l'argent, pris l'argent. Quand vous avez arrêté de donner l'argent, ils ont commencé à dire ok. Et ils savent qu'ils vous attendent sur les traditions. Ils veulent vous bloquer. Vos parents, vos grands-parents vont vous ouvrir la voie. Ce genre d'homme que quand vous avez voyagé, ils vous demandent l'argent tout le temps, tout le temps. La grand-mère, la mère disait tout coup, ouais, attends, non, l'enfant vient d'arriver en Europe, laisse-le tranquille quand même, non. Ouais, attends, il s'installe même, non. Il y a une personne parmi vous, ta grand-mère t'aimait beaucoup, je sens son amour qui monte pour toi. Tellement d'amour. Même en mourant comme ça, elle t'a pas vu, elle appelait seulement ton nom. Que wow, wow, tu es où depuis? Je veux te voir, mais tu n'avais pas les papiers, tu ne pouvais pas partir. Elle te dit que ne t'en fais pas. Que de là où elle est là, elle te voit toutes les nuits. Et que quand elle te visite, parfois, il ne faut pas avoir peur. Ce qui fait que tu fais souvent qu'elle doit même venir sur le visage d'une autre personne. Il ne faut pas avoir peur. Ne te dis pas que non, tu es mort, tu peux en parler. François, tu n'as pas vu le corps de maman. Oui, elle savait que si tu la voyais, ça allait beaucoup te faire mal. Parce que tu l'aimais beaucoup, tu étais très attaché à elle. Très attaché. Et elle savait que si tu la vois, ça allait, certes, ça allait te mettre, tu allais avoir trop mal. Tu allais trop avoir mal. Erika Didier, tu es une femme très forte. Très, très, très forte. Tu as dû forger ton caractère toi-même. Tu as appris des gens seulement comme ça là. Et tu ne sais pas, mais tu ressembles beaucoup à ta maman. Je vois quand même, elle est en train de sourire de là où elle est. C'est ce que je vois. Elle est en train de sourire. Et comme tu aimes souvent faire le nyanga là, c'est tu tiens ça d'elle. Elle est en train de sourire d'ailleurs. Ok, la mère, je dis ce que tu me dis. Elle te demande de ne pas t'en faire. Quand tu restes, tu penses à elle. Le soir, elle a fait une prière. Je vais vous dire quelque chose par rapport au vin. Oui. Toi en particulier là, je parle de ta mère là. Prends le vin. Le vin en Europe, c'est pas dû avoir. Prenez un petit vin là. Même un grand vin si vous voulez. Tu pars t'asseoir au parc demain. Tu ouvres le vin rouge là. Tu bois. Tu verses l'autre au sol. Tu dis, maman, ça fait longtemps. Je m'excuse d'avoir été séparée de toi. Je m'excuse. Je m'excuse. Et vous parlez au Dieu de la terre où vous êtes. Vous dites que je sais que ce n'est pas ici qu'on a enterré ma mère. Mais là où on l'a mis, c'est tout la terre et c'est tout sur la terre.
Donc, maman, que toutes les bonnes volontés que tu avais pour moi, là, parle aux esprits de la terre où je suis, tu prononces le pays, pour qu'ils me donnent la faveur. Tu fais, tu verses. Tu bois encore ta part, tu verses encore l'autre sol. Certains parmi vous, ils vont même vous pousser à faire le repas qu'ils aimaient beaucoup. Pour ma mère, c'est le tarot et le riz aux arachides. Tarot, riz aux arachides. Ou fais, tu fais le repas là, tu pars avec le vin, tu fais comme je vais ton pique-nique. Tu t'assois, tu manges d'abord bien. Tu localises même un arbre là-bas, tu déposes, tu verses une partie. Comme c'était la saleté, non. Mais pour toi, c'est pas que c'est la saleté. Si c'est chez les blancs, ils vont se dire mais non, tu verses, tu parles. Tu dis, maman, vraiment, le repas, si je partage ça avec toi. Surtout, excusez-vous, beaucoup d'entre vous, excusez-vous parce que vous les avez vus, vous avez commencé à dire non, excusez-vous. Vous allez voir qu'ils vont commencer à faciliter beaucoup de choses pour vous. Bon, Adrien dit le jour où j'ai programmé ma maman, voir ma maman à l'hôpital. Beaucoup d'entre vous, surtout toi Adrien, ta mère a besoin que cette douleur-là s'estompe. Tu as laissé cette douleur passer. Waouh. Je sens beaucoup. Elle essaie de te donner beaucoup d'amour. Je sens de l'énergie. Ouh. Mets ta main sur ta poitrine, Adrienne. Mets ta main sur la poitrine. Ne pleure plus parfois. Tu te dis que ouais, maman, elle n'a pas souffert. Elle n'a pas souffert. Au contraire, quand elle partait, c'est que ouais, ma fille va rester ici là. Elle savait que tu allais t'inquiéter parce que tu ne l'as pas vue. Maintenant, je veux enlever cette douleur. J'enlève cette douleur. Comme tu déposes ta main sur ta poitrine. J'enlève cette douleur maintenant. Au nom de Jésus. Certains parmi vous, vous n'aimez même pas qu'on parle de votre mère. Parce qu'on parle d'elle, ça vous fait pleurer. Vous pleurez seulement. Vous pleurez. Vous dites que peut-être qu'elle a souffert. Peut-être que non. Laetitia Anda. Laetitia, ta mère, tu avais quel âge quand maman est morte, Laetitia? Erika, papa c'était vraiment un de ses enfants favoris. Et papa, elle était un peu la personne que quand elle parlait, papa écoutait beaucoup. Elle parle toujours à papa, elle. Mais seulement, quand il souffre, est-ce qu'il est passé dans l'alcool, bien il fait comment est-ce qu'il gère sa souffrance? Va souvent lui dire ce que grand-mère a dit. Va lui dire. Il va faire le dû devant toi, mais après qu'il va aller dans son coin seul. Dis-lui que j'ai dit que grand-mère a dit que c'est vrai que ça fait trop d'intermédiaires. Qu'il ne se lamente plus. Qu'elle est fière de lui de là où elle le regarde. Qu'il essuie ses larmes. Je vois vraiment sa douleur. Je vois que c'est quelqu'un qui reste souvent dans sa chambre. Il est triste. Il se tourne comme s'il regarde le mur. Maman est là. C'est grand-mère qui est décédée. Ok. Bon, vous savez, je vais mettre mon numéro. Je ne vais pas demander l'argent pour la consultation. Mais si vous me contactez et puis je sens que vos parents, mais ou pas, s'ils ont dit quelque chose à dire, je vous dis. Voilà mon numéro. Vous avez compris, non? Lionel, ne t'en fais pas. Lionel, ce que j'aimerais faire avec la boisson, là, fais ça s'il te plaît. Tu envoies quelqu'un au village. On fait à manger, on nourrit les gens au village. Lionel, tu as compris? Ça va t'ouvrir les portes. Ça va t'ouvrir les portes. Et sans que tu souffres vraiment de l'absence, tu avais besoin de conseils d'hommes. Tu es quelqu'un que tu as appelé à vraiment beaucoup diriger dans la famille. Et même financièrement aussi, quand on va t'ouvrir les portes, tu vas aider beaucoup de gens dans la famille. Beaucoup. Tu as compris, Lionel? Ça fait souvent, tu restes comme ça, tu es très découragé. Peut-être même tu bois ou bien tu as souvent des copines, plusieurs copines, je ne sais pas. Mais ça fait, tu fais souvent des choses qui ne sont pas bien pour toi-même. Ne fais plus, Lionel, il faut que tu condenses ton énergie.
Tu as besoin de ça. Il y a beaucoup d'argent qui est en train d'arriver. Rosemonde Afana. Ta mère prenait la paix. Et ta mère veut que tu saches que la patience, c'est une vertu. Et que tu ne laisses pas les gens changer ton caractère. Quand tu la voyais comme ça, elle ne te parlait pas de tous ses problèmes ou de ce qu'elle endurait. C'est en train de te forger. Il y aura un moment, ce que tu es en train d'apprendre, comment tu apprends à gérer les gens, ça va t'aider, mais ça va te donner l'argent. Donc ne te dis pas qu'on souffre trop. Vois ça donc. Dis-toi comment ma mère a supporté ça. Comment ça te laisser qu'elle t'enseigne à travers ce que tu subis comme souffrance. Suzanne, tu en as mal depuis combien de temps, Suzanne? 10, 15, 20 ans. Ah ah, rentrer récupérer sa société. Voilà. Oh, 15 ans, d'accord. J'étais sûre que c'était au moins 10 ans, Suzanne. C'est ce que je voyais. Tu as fait beaucoup de temps là-bas, Suzanne. Tu es devenue comme une sédentaire. Tu es rentrée carrément. Tu fais ta vie, donc tu ne cherches même plus trop. Parce qu'à un moment, tu t'es vu comme si tu pouvais aider. Tu voulais changer les choses dans votre famille. Mais maintenant, tu as subi certains blocages et ça t'a frustré. Ça t'a frustré. Ils veulent que tu saches que l'appel que tu as sur toi est toujours là. Je te vois avec un bâton, une couronne dans ta famille. Tu as un commandement spirituel dans ta famille. Même si tu parles, ta voix n'est pas forte physiquement, dans l'esprit. Il suffit que tu te tournes vers un problème et que tu rassembles les gens, tu dis que résolvons ça. Ne te décourage plus. Parce qu'il y a des moments où tu vas vraiment laisser tomber. Fautrice Béatrice. Tu es dans quel pays? Ouais, quand vous me faites beaucoup de messages. Eden. Tu as un des ancêtres qui t'a passé tes pouvoirs que tu as, Eden Bobol. Mais tu doutes beaucoup. Tu doutes beaucoup. Tu vas devoir faire confiance parce qu'ils vont même te diriger. Il y aura un moment où tu vas même conseiller et guérir les gens. Eden Bobol. Tu vas conseiller et guérir les gens. Et ils vont te guider pendant le processus. Quand tu seras en train de conseiller, guider, tout ça, ils vont te guider. Que tu fais comme ça, tu vas faire. Tu vas faire. Olive Robert, je suis vraiment désolée. Vraiment. Je ne vais pas vous mentir. J'ai des commentaires qui défilent comme ça là. J'avais dit que je voulais le deuxième téléphone pour ça. J'en ai essayé d'aller dans le direct pour voir. Non, si tu as aidé les gens, ils sont partis. Ne t'intéresse, ne t'inquiète pas. Ils ne font que c'est leur rôle. Ils sont censés faire ça, ils partent. Attendez, je cherche. Je vais aussi entendre le direct pour lire les commentaires moi-même. Farren Ombédé. Tes deux parents sont... Farren, tu crois que tu es seule, mais tu as beaucoup de pouvoir, Farren. Tu as beaucoup. Et le spirituel t'appelle même beaucoup ces derniers temps. Beaucoup. Beaucoup même. Tu vas commencer à parler différemment de toi. Et il y a des emblèmes qui t'ont laissé avant de partir. Que je vois couronne, je vois aussi bâton. Tu vas fabriquer ça toi-même pour toi. Et ne va pas montrer à tes oncles tout ça là. Ne demande pas la vie de quelqu'un. Fais ta chose toi-même. Ils vont commencer à te guider. Et beaucoup, quand vous allez faire le truc du fun que j'ai dit là, ça va vous connecter. Vous allez voir dans la nuit, ils vont venir. C'était on venir dans la nuit, vous donner l'argent. C'était on venir dans la nuit, vous parler. Prenez aussi l'habitude de vous asseoir en journée comme ça là. Vous vous dites que je vais écouter ce que ma mère a dit. Souvent, tu laisses ton ça, tu penses à ta mère ou ton père. Laisse ce que tu es en train de faire. Écoute. Vicky Cosmétique. C'est toi que j'avais rencontré en Italie, Vicky. Ok, Vicky.
Il est parti, tu étais très jeune et tu es très belle aussi. Tu as aussi cherché dans l'amour avec les hommes, beaucoup d'hommes. Quand un homme vient, tu l'aimes aussi seulement parce que... Et puis toi, Glory, je ne sais pas si tu veux parler, tu me dis. Je crois que tu peux même demander une vidéo. Tu peux, certains peuvent demander l'accès pour parler ici, là. Je ne suis pas la seule à avoir ce don. Donc, je vous dis que quand... Voilà ce qui se passe dans le monde des choisis. Je parlais pour quelqu'un. Vicky, Vicky, attends, viens d'abord pour toi. Vicky. Il faut qu'à un moment tu arrêtes, tu te calmes, tu te concentres. Parce qu'à un moment tu étais très éparpillé. Et en tout cas, Vicky, c'est pour toi qu'elle parle. Je ne sais pas trop si je sais moi que c'est Vicky. Vicky, qu'elle voit Vicky Cosmetics. Tu commentes souvent. Et il veut que tu te calmes et tu te ressaisisses. Je vois que financièrement, il va aussi te guider sur beaucoup de business, beaucoup de choses que tu vas faire. Tu auras de nouveaux trucs qui vont venir. Mais surtout les hommes, parce que tu es cherché à travers les hommes à être calmé. Tu cherches, et du coup, quand tu parles, ils te déçoivent, ça te fait mal. Ça te fait mal. Du coup, tu fais un peu profil bas. Tu ne cherches même plus à être trop vu. Donc, je sais pas, on peut dire, si tu viens ici, par exemple, tu ne parles pas beaucoup. Bon. Est-ce que quelqu'un ici là veut parler? J'ai vu quelqu'un faire comme si vous voulez parler tout à l'heure là. Oh oh. Eric a déjà parlé. Je sais pas, tu veux qu'elle parle encore. Fautrice Béatrice. Béatrice, je vois comme si. Tu fais quel métier là-bas? Tu as ton compte ou bien tu travailles à la maison? Maman et mes pieds sont en feu. Ok. Fautrice, dis-moi un peu, tu fais quoi comme métier? Farène Ombédé, tu as beaucoup de dons, n'oublie pas. Quand j'avais lancé, je suis en train de préparer une formation pour former les gens à utiliser leurs dons spirituels. Là, je suis en train de faire une formation actuellement, comment transformer mes dons pour avoir l'argent. Maintenant, il y a un autre métier, une autre formation que je suis en train de préparer. Pour les choisir. Pour ouvrir vos yeux, ouvrir vos trucs. Et je suis en train de préparer ça. Oh my God. Jesus. Je sens que mon corps est... Beaucoup d'entre vous êtes très puissants. Mais vous doutez. Et vos oncles, tantes là, ils ne veulent pas que vous connaissiez votre pouvoir. Ils ne veulent pas. Arrêtez de leur faire confiance. Voilà, attendez, je dois me lever, j'ai des crampes. Chose que je n'ai jamais. Oh. J'ai mis mon numéro. Pardon, faites aussi des messages WhatsApp. Donc, j'ai cherché celle qui a dit qu'elle est en Allemagne là. Je ne trouve pas tellement de commentaires. Charlotte, tu les as un peu oubliés. Je crois que tu bossais beaucoup. C'est pour ça que tu ne les vois plus. Tu les as un peu oubliés. Ce qui fait que... regarde aussi dans ton entourage. Est-ce que tu as des connexions? Tu as les gens qui sont les mauvaises personnes qui sont autour de toi. Tu sens que tu dois arrêter de parler avec eux, mais tu continues toujours. Ça peut être ce qui te bloque. Sidonie Prudence. Dites-moi si vous avez. Dites-moi, mettez votre nom, commentez et vous me dites le parent. Si c'est femme ou homme. Ça va beaucoup me faciliter la tâche. Annie Poki, tu as beaucoup de dons aussi qui t'ont été passés par ton père. Par ton père. Et le spirituel aussi t'appelle beaucoup. C'est pour ça que tu es persécuté. Parce que tu ne connais pas. En fait, c'est un peu comme une lumière où les mouches viennent. La lumière va dire, oh les mouches, je ne veux pas les mouches. C'est parce que tu es la lumière que les mouches viennent.
Donc, il faut que tu changes ton mindset par rapport à ça. Erika, tu es à Reims. J'étais à Reims aussi. Vicky Cosmétique, j'ai parlé pour toi, j'ai parlé de pour les hommes, les relations. Il faut que pendant un moment tu coupes un peu et tu te concentres. Je crois aussi que tu as des dons spirituels qui vont se réveiller, Vicky Cosmétique. Ça t'appelle, mais tu durcissais un peu, aussi un peu déjà. Tu durcissais. Voilà. Bon, je vais passer. Tiens-moi le bout de ce truc-ci là. Voilà. Je vais dire les noms. Tu vas me dire ce que tu vois. Sidonie Prudence, tu vis où? Sidonie Prudence. Quand je dis ça, ça peut penser quand tu me dis c'est une femme pour ça, c'est une personne, c'est une grande personne, mais on a beaucoup ralenti. Quelque part, elle est au sein de ses dons. Une grande personne qu'on a beaucoup ralenti, Sidonie Prudence, oui. Quelque part, elle est au sein de ses dons. Tu es consciente de tes dons? Mais elle se demande si elle peut vraiment. Mais tu te demandes si tu peux vraiment. Tu doutes. Ok. Si votre nom de Facebook n'est pas votre vrai nom, mettez juste rapidement votre vrai nom, je vous en prie. Lydie Mafeda. Tu es au sud de la France. Lydie Mafeda. Oui, tu me dis, ma je sens sur moi, en fait, qu'elle est sur place. Tu es sur Les place, tu choses n'avances pas. n'avancent pas comme doivent avancer. Donc, ce que je peux dire, c'est qu'elle doit rester confortable. Elle Tu doit vraiment chercher à sortir de dois sortir à chercher. Tu dois chercher à sortir de là où tu es. Tu vois, quand tu es confortable, tu dis que bon, ça fait 10 ans que je suis ici. Tu dois sortir, essayer de sortir. Cherche, cherche. Barga. Barga, tu es dans une mauvaise communauté. Tu t'es associé à des gens qui te ralentissent beaucoup, Mbarga. Et c'est en train de te ralentir. Parfois, c'est des gens de ton village, des gens avec qui tu as grandi. Tu suis trop au téléphone. Trop au téléphone. Et ça te ralentit. Voilà. Vous savez, le conseil le fait que ça va ralentir, mais il ne sait pas justement qu'il doit arrêter. Que tu es conscient de ça, mais tu ne sais pas que tu dois arrêter. Béatrice Guiamé. Maman, les commentaires où. Béatrice Guiamé, ne faut pas si. Épouse Noubi. Voilà. Guiamé, Béatrice. Je la vois un peu qu'elle ne se contente pas du niveau qu'elle a présentement. Il y a un grand niveau qui arrive. Donc je la sens comme si pour elle, bon, Pas la plus forte. j'ai déjà atteint le bon niveau, ça va. Donc elle doit se lancer encore dans la recherche. Tu dois pousser un peu plus, Béatrice. Et arrête de te disperser aussi. Arrête de suivre trop de personnes. Focus. Focus, Béatrice. Neige Carole Diena. Quand tu parles d'elle, je vois une lumière, donc je vois quelqu'un qui va donner comme de l'espoir aux gens. Il y a beaucoup de personnes qui viendront et qui auront la solution par elle. Beaucoup de Donc, personnes viendront et auront la solution par toi. qu'elle soit la bonne conscience, Donc il faut que tu sois conscient de ça. Olive Robert, c'est ton nom, c'est ça, c'est ton nom là-bas, Olive Robert. Olive Robert. Pour livre vert, je vois en fait, elle est toujours constamment en train d'attendre qu'on lui dise que non, tu dois faire ceci, tu vas faire cela. Donc, c'est mieux qu'elle puisse prendre ses propres initiatives et qu'elle commence à faire ce qu'elle est censée faire, qu'elle demande la direction divine. C'est bon. Olivier Robert, tu dois demander, tu dois prendre ta vie en main. Arrête d'attendre qu'on te dise ce que tu dois faire. Et tu dois prendre ta vie en main et suivre la direction divine. Fidèle Diane. Diane. Quand c'était une qu'on a beaucoup oppressée, On t'a beaucoup oppressé. elle a beaucoup eu de douleur, mais le Seigneur, c'est ce soir lui dit qu'il va lui donner encore de l'espoir et de l'espoir qu'elle continue à croire. Et puis le meilleur reste à venir, qu'elle ne dorme pas, qu'elle ne se décourage pas. Et que ce qu'elle était censée faire, c'est bien qu'elle faisait aux gens qu'elle continue à le faire encore et encore. D'accord.
Bon, il y a aussi mon numéro là-bas. C'est vrai qu'on essaie, je vous ai dit que je ne travaille plus seule maintenant parce que ça faisait tellement de personnes que je devais aider. Donc, voilà le numéro. Aristide Kamwe. Quelqu'un qui cherche une. C'est un peu comme quelqu'un qui cherche la direction. Il va ici, ça ne donne pas. Il va ici, ça ne donne pas. Qu'il se stabilise et qu'il cherche une, la direction divine. Qu'il essaye de développer l'écoute du Saint-Esprit. Développe l'écoute du Saint-Esprit. Il va sa direction. Il cherche beaucoup trop. Tu cherches trop. Josepha Evuna. Josepha Evuna, je vois toujours. En train de tourner, de tourner en rond. Tu tournes en rond, immobilisation. Niaga Esther, tu as des dons spirituels très élevés. Il faut que tu passes, change-toi dans ta tête. Arrête de te voir comme quelqu'un que c'est toujours comme. Il y en a parmi vous, vous êtes censé même être ici là pour m'aider. Ou bien vous êtes censé prendre un truc comme ça, là vous prenez les noms, vous dites aussi. Mais vous doutez tellement de ce que vous avez. Vous savez quoi? Je vais faire quelque chose. Si j'ouvre. Mecca, je crois que tu peux le faire. Tu as ce truc-là en toi. Mecca, je te vois connecté. La femme au diamant. Mecca, elle dit que tu es la femme au diamant. Ouais, elle a une parure vraiment exceptionnelle. Tu as une parure exceptionnelle, Mecca. Tu vois que j'ai pas vu ça. Hein, Nathalie? Oui. Tu as une parure exceptionnelle. Et tu dois même d'ailleurs être décorée. Oh my God, le numéro n'est pas bien écrit. My God, je m'excuse les gens ici. Je vous refais mon numéro. Vous voyez comment le diable ne fait que... Monsieur Sidibé, bonsoir. S'il y a peut-être deux, trois personnes qui sont en train d'écouter ou de regarder. Annie Poki, je t'ai déjà parlé tout à l'heure. Oh là là, pas fini avec toi. Carole. Delphine Doumene. Ça dit quoi? Delphine Doumene, tu vois, c'est une personne aussi. Elle aussi, elle cherche la voix. Elle est toujours en train de chercher, comme si elle a perdu quelque chose. Elle cherche toujours, elle cherche toujours. Elle n'est pas satisfaite de ce qu'elle a, mais elle ne sait pas comment utiliser ce qu'elle est censée avoir. Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver, bonsoir. Tu cherches toujours la voix. Pour toi en particulier, je vais ajouter ceci. Prends beaucoup plus de temps le matin. Tu te lèves tôt, tu prends au moins 20 minutes, tu t'assois. Tu te demandes au Saint-Esprit de te parler. Connecte-toi dans l'esprit de tes ancêtres. Commence à écouter ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Michou, Michou. Tu devrais normalement parler toi aussi. Tu devrais faire ce que je suis en train de faire là. Maman. Una mate wening. Uman mate wening. C'est ça son nom. Donc, elle est le genre de personne que tu vois, le genre qui sait que non, elle connaît beaucoup, mais mettre en pratique, c'est dur, c'est difficile. Donc, elle apprenne à. Parfois, elle dit des choses aux gens, les gens pas te mettre en pratique, ils s'en sortent, mais elle, carrément, elle est sur place. Elle apprenne à... Je pense aussi que l'obéissance chez toi va aussi beaucoup t'aider. Agis par la foi. Quand tu conseilles les gens, agis toi-même par la foi. Lionel Ngongan. Lionel, je t'évite. Tu sais qu'elle ne veut pas parler. Tu as trop de potentiel, Ngongan. Tu es un visionnaire, tu sais. Mais maintenant, tu te laisses. Tu as peur. Tu as peur de. Tu te laisses trop envahir par ce qui est cartésien. C'est-à-dire, on dit qu'on doit faire étape 1, étape 2, étape 3. Tu préfères aller faire ça au lieu de suivre ce que ton esprit te dit de faire. Et c'est quand tu vas te soumettre totalement à l'esprit que tu vas avancer. C'est là que tu vas vraiment, ta lumière va s'ouvrir et tu vas trouver ta voie. Je crois même que tu feras ce que je fais là.
tu seras guide spirituel pour les gens. Ferdinand, tu es venu attaquer les gens ici là. Il y a pas de gens qui viennent attaquer les gens ici. Tu seras de milliardaire, CDB, tant mieux. Charlotte Providence. Monsieur résidence privée ou madame résidence privée. Résidence privée, c'est pas un nom. Martial Feuillot. Martial Feuillot, c'est quelqu'un qui est généralement très joyeux. Les gens vont venir et il est beaucoup comique. Tu es très comique. Les gens vont venir autour de lui. Les gens vont venir autour de toi. Il a la joie de vivre. Donc, il va vraiment penser les blessures des cœurs des personnes. Tu vas penser les blessures des cœurs des gens. À l'atmosphère qui me dégage. Et Samuel Sono, c'est ça ton nom? Tu dois. Martial Feuillot aussi. Tu es dans une phase où tu es en train de... Tu es en accélération. Tu es comme une fleur qu'on a filmée en train de grandir pendant un mois. Et après, on a mis l'image en accélération. Il y a plein de choses qui se passent dans le monde de l'esprit avec toi. Ça se passe like... Tu es comme Jack Bauer, 24 hours. Ça se passe très vite. Donc, il faut aussi quand tu reçois un truc obéi. Tu vois, moi, les choses vont aller à une vitesse. Bonsoir, Solane. Bonsoir. Alors, j'ai parlé de Charlotte. Charlotte, oui. Charlotte, tu sais, c'est une personne vraiment qui a le sens c'est une personne assez disciplinée. Et si c'est qu'elle continue comme ça, elle aura vraiment... les portes vont tellement souffrir. Et j'ai envie de dire qu'elle doit même être couronnée en fait. Son nom, c'est quoi, Charlotte? Oui, elle sait déjà. Elle voit ta couronne. Oui. Tu arrêtes d'arriver, non, Charlotte? Regarde les choses qu'on va faire ici. Là. Oui. Minette Nago. Quand je parle de Minette, je vois un peu une personne intérieure. Bon, elle a. Ce côté-là, quand elles sont toutes seules, elle a toujours vraiment mal. Elle a toujours vraiment mal. Donc, il y a les blessures dont elle ne s'est pas toujours libérée depuis des années et tout ça. Donc, il y a des moments où... Et parfois, ça fait les sauts d'humeur. Mm-hmm. Tu comprends ça? Donc, Dieu a libéré ton esprit, Minette. Pardonne, relâche. Ça va te libérer. Tani Claire. C'est quelqu'un qui a vraiment, il a un avenir vraiment brillant, mais tout passe par la discipline et il doit pouvoir aussi s'asseoir, apprendre. Il sait qu'il sait, mais le truc c'est que se discipliner, apprendre, faire les choses comme ça se doit pouvoir avancer, c'est très difficile, c'est un peu difficile. On reçoit maintenant l'onction pour te discipliner. Pour t'asseoir et apprendre jusqu'au bout. Cyril Yolande Djoko. Cyril Yolande Djoko. Je vois quelqu'un, une personne qui a beaucoup pleuré à un moment donné. Sa vie, ça l'a renfermé, ça l'a frustré. Donc, la personne se sent vraiment reconfortée ce soir. Parce que le Seigneur pense les dessus et le Seigneur ouvre la voie et nous donne la direction. D'accord. Tu as suivi, non? C'était qui que tu faisais là? Cyril, Yolande? Ok. Cyril, Yolande, tu es aussi en train de passer dans une autre étape de ta vie. Tu vas entrer à des nouvelles choses que tu vas faire. Donc peut-être il y avait quelque chose que tu voulais attendre, tu voulais acheter depuis, tu vas devoir aller acheter par la foi. Dieu veut que tu sautes, il y a des choses que tu vas commencer à faire. Je vois carrément comme une nouvelle page qui s'ouvre, qui se dévoile. Et quand tu vas commencer à faire ça maintenant, les choses que tu attendais depuis, je ne sais pas si c'est les papiers, je ne sais pas ce que tu attendais, ça va commencer à vraiment s'aligner. Tu as beaucoup prié, tu as beaucoup attendu. Voilà. Minette, on a fait. Samuel Sono. Samuel Sono. Je vois qu'il faut aussi partir des gens qui n'avancent pas normalement comme il faut. Mm-hmm. Lui-même aussi, il est sur place. Alors qu'il a un grand talent à l'intérieur de lui. Mm-hmm. Il doit exploser.
Donc, je ne sais pas s'il travaille pour quelqu'un, il doit avoir sa propre entreprise. Samuel Sono, tu dois avoir ton propre entreprise. Tu as beaucoup de talents qui sont cachés. Ce que j'ai demandé de faire avec le vin, là, le vin qu'on partait donner le soir, là, faites-le en soirée. Soyez assez discret. Parce que parfois, tu peux aller faire ta chose, ton rituel comme ça. Là. Quelqu'un sort de Nemdo, un de ces petits consorts là-bas, il commence à te faire les bruits. Oh, pourquoi tu fais quoi avec le vin ici? Oh, non, non, non. Soyez très sage avec ça. Donc, Lily Chocoté. Oui. Lily Chocoté, c'est une personne qu'il faut qu'elle apprenne à s'ouvrir. Apprendre à t'ouvrir. Donc elle va apprendre à s'ouvrir, elle va beaucoup recevoir, même en termes d'argent, elle va beaucoup avancer. Quand tu vas t'ouvrir, tu vas recevoir en termes d'argent beaucoup et tu vas aussi beaucoup avancer. Apprendre à t'ouvrir. James, ça c'est pas un nom, même à ton nom, pardon. Morel Joline. Quand j'entends son nom, j'entends espoir. Donc, espoir. Il y a toujours de, il y a de l'espoir pour elle, qu'elle croit. Croit. Et si il y a les choses qu'elle doit faire par la foi, mais elle est toujours en train de douter. Il y a des choses que tu dois faire par la foi, mais tu doutes. Choses qu'elle doit faire par la foi. Là, c'est ça qui va permettre, qui va attirer ce qui est censé venir et puis l'amener à un prochain niveau. Ok. Ariane Yuego. Yuego. Je vois qu'il y a des moments où elle a beaucoup de soutien. Tu vois, un moment qui est important, un moment elle est énervée, mais tu ne peux pas vraiment expliquer. Elle va cultiver la joie constante. Donc elle va plus être échangée après chaque 5 minutes. Mm-hmm. Elle va apprendre vraiment à rester joyeuse. Et qu'elle se dispose de Saint-Esprit à l'aider. Il y a un Diogo, tu dois apprendre à être joyeuse. Ne laisse plus tes sautes d'humeur gâter ta bénédiction en fait. Tu as dit quelque chose encore. Tala Simplice. Tala Simplice, c'est-à-dire qu'il a beaucoup de choses à faire au village. Il a beaucoup négligé les choses qu'il était censé faire au village. Et aujourd'hui, il est bloqué par tout ça. Il n'avance pas comme il faut. Donc pour lui, c'est seulement rare. Et il se contente du peu que le travail lui donne, alors qu'il était censé avoir plus que ça. Mm-hmm. Donc, t'as la simplicité, tu as compris. Il y a des choses que tu avais fait au village, tu n'as pas fait. Et maintenant, c'est en train de te bloquer. Donc, il y a des choses que tu dois faire au village. Cyril Chamba. C'est quelqu'un qui a été beaucoup, on a beaucoup abusé. Parfois, il donne sa confiance, il donne ses services. Mais après, on n'est jamais reconnaissant, on profite de ça, on dit que non, il n'est pas normal et tout ça. Donc, on fait ça pour moquer de lui à un moment donné. Il avait plus la volonté d'aider quelqu'un ou quoi que ce soit. Donc, il ne se décourage pas et il continue à faire ce qu'il a fait. Donc, le meilleur est devant ça. D'accord. Galima, c'est ça ton nom? Mengue Thérèse. Mengue Thérèse. Mm-hmm. Tu es assez timide dans ta famille. Tu laisses les gens te dominer. Tu restes en retrait. Mais il faut que tu prennes vraiment... prends ta vie en main. N'aie pas peur. Il y a des choses que tu veux faire depuis que tu es en train de te tourner un peu comme ça. Tu te dis, qu'est-ce qu'ils vont penser? Qu'est-ce que ceux qui vont penser? Donc vraiment, rentre dans ton étoffe de reine. Et lance-toi. Même s'il faut que tu commences par un petit. N'attends pas que... J'attends d'abord que telle personne fasse ça. Non. Chalturin Chouatem. C'est quelqu'un, je ne sais pas, il se voit toujours un peu autosuffisant là. Donc les personnes qui sont censées l'aider, les personnes de qui il est censé apprendre, à chaque fois il est toujours en train de couper les ponts avec ces personnes. Et ce qu'il se dit connaître, c'est pas assez pour l'amener là où il est censé être. Tu comprends, Chalturin? Donc, tu dois arrêter de te séparer des personnes qui sont censées t'aider à apprendre pour avancer.
Samuel Sono, je me rappelle, on a dit que tu dois lancer ta propre entreprise. Tu as je me rappelle particulièrement pour toi. Tu as tu as des talents que dont tu doutes. Si tu travailles pour quelqu'un actuellement, tu dois te lancer à ton propre compte. Bon, ok. Je vois que les ancêtres ont voulu faire ceci aujourd'hui. Donc, on va faire la pause, ok? Arrêtez d'écrire vos noms, pardon. Il faut qu'on recharge les batteries. En passant, c'est ma fille qui est en train de faire ça. Ok. La reine Meka, si tu as une urgence, vas-y. Tu reviens après, on peut parler même sur WhatsApp. Il y a les noms des gens quand j'entends les Mika, les Charlotte. Oui. Ce sont les gens vraiment. Je sais pas. Ils ont les gens doivent couronner. C'est super. De même comme tu comptes. Il y a des couronnements qui sont déjà en cours. Il y a des couronnements que j'ai à prévu. Attendez, on fait la pause. En fait, ça prend l'énergie. Vous ne pouvez pas connaître. Samuel Sono, j'espère que tu as vu ta part. Martine, tu peux écrire Martine même 50 fois. Ma faute à Suzy à Amel. Ça a pas dit Martine. Martine qui? Il y a une Martine ici là. Oh. Ça veut dire parler de Martine. Martine, si tu es là, tu dis encore ton nom. Tizoni Prudence. Tizoni Prudence. Tu as déjà dit pour aller chez moi. Ce genre, elle a trop cherché au confort dans la relation. Qu'elle apprenne à se détacher des gens et à faire ses propres choses, ses choses d'elle-même. C'est rien qui tu t'attaches. Quand ça dégame là, tu reprends à zéro. Pour Samuel Sono, tu as parlé d'une fleur qu'on arrose. Samuel Sono, il sait que j'ai parlé d'entreprise. Oui, je me rappelle aussi ça. Mais pas de fleurs, je ne me rappelle pas de fleurs. Je me rappelle que tu as des talents aussi à l'intérieur de toi. Il a beaucoup de talents, il sait travailler pour quelqu'un. Il doit penser à se lancer lui-même. Galimard. On demande un nom, vous mettez un nom. Vous avez seulement volé le téléphone de quelqu'un. Excusez-moi. Bonsoir. Bon, grâce Niamene. Avec un A-Y. Niamene. C'est quelqu'un normalement qui doit obtenir la faveur partout où elle passe. Tu dois avoir la faveur partout où tu passes. Pas c'est quelqu'un qui doit obtenir la faveur partout où elle passe. Mais déjà, elle n'est pas consciente de ça. Et c'est le genre qu'elle peut commander et elle peut décider qu'elle entre dans tel bureau et elle va entrer. Mais elle n'est pas consciente de ce problème. Dorian Gachi. Dorian, c'est une grande reine. Grande reine. Et c'est une femme qui va faire beaucoup d'espoir. Donc, elle doit juste être connectée aux bonnes personnes, comme elle est connectée ici. Elle est dirigée. Elle suit bien les instructions. Elle avance. Vivien Mbenga. J'aime bien ce genre de personne qui est toujours en train de... Elle fait beaucoup de choses, sauf l'essentiel. Tu fais beaucoup, sauf ce qui est essentiel. Elle fait beaucoup de choses. Ça lui dépense énormément d'énergie. Elle prend beaucoup ton énergie. Si elle concentre son énergie, elle peut faire beaucoup d'autres choses plus productives. Donc, si tu concentres ton énergie, tu peux faire des choses très productives.
Mais que Dieu te bénisse. Elle est bénie. Aimée Berthe. Aimée Berthe. Quelqu'un, quand on parle de Berthe, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert. Elle a, à un moment donné de sa vie, elle a beaucoup souffert. Elle a recherché le confort partout, dans toutes les relations, ça n'a pas donné. À un moment donné, elle a décidé de rester seule. Le Seigneur lui dit qu'il ouvre sa voix et qu'elle se connecte à l'Esprit de Dieu et qu'elle s'élève, elle ouvre son entendement, elle va comprendre la direction qu'elle est censée prendre. Aïssania. Raïssania, c'est le genre de personne qui est censée aller loin. Mais il y a tellement de petites choses qu'elle doit faire. Elle s'attarde encore sur les douleurs. Telle personne m'a fait ça. Bon, j'ai perdu ma mère, ça fait. Ou bien j'ai perdu un être cher. Elle s'attarde encore sur ça. Il doit avoir un détachement et elle doit avancer. Faire ce qui est utile, qu'elle avance. Super! Ok. Lionel Bika. Lionel Bika. C'est quelqu'un qui a aussi beaucoup de potentiel. Il peut créer, s'il concentre son énergie, il peut créer beaucoup d'appareils, beaucoup de choses. Mais juste qu'il laisse l'énergie partir dans autre chose qui n'est pas utile. Lionel Bika, tu dois te concentrer. Tu as une énergie qui peut créer même des appareils. Mais tu laisses cette énergie partir dans d'autres choses. James, ton nom, tu as mis un seul nom. Donc, Mika Kenley. Oui, les articles sont déjà là. Mais aujourd'hui, je ne les ai pas ramenés au bureau. Donc, c'est de l'autre côté. Bientôt, on va les mettre et puis on pourra mettre sur la boutique. Quelqu'un a demandé si on parlait des anges ce soir. Oui, on parlait des anges ce soir. Et puis à un moment, les anges ont décidé de commencer à parler. Déjà d'abord les ancêtres qui ont parlé. Après, les anges ont commencé à parler. Donc oui. Donc je pense que quoi de mieux que d'enseigner là-dessus et puis de commencer à les parler. Enfin, à dire ce qu'ils sont en train de dire. Tu as quelque chose que tu veux dire? Vas-y. Il y a une femme particulièrement dans ce direct. Elle a ce pouvoir de dire, de commander les anges par de le faire. Mais elle a toujours les paroles négatives. Mm-hmm. Les anges ont toujours hâte d'attendre pour aller exécuter. Mais elle n'est pas consciente du fait qu'elle cesse d'être assez négative et qu'elle commence à commander ce qui est bien pour elle. Vous avez suivi que la femme là se prononce M. Comme vous voyez là, regardez la sueur sur moi. Regardez. Mon énergie est. Il peut un peu imaginer elle alors. Ça, c'est le travail, pardon. On va faire l'autre demain. Il y a mes achats, même 5 fois. Saint-Esprit, je te remercie. Je sais que tes enfants ont beaucoup de questions. Par la grâce, je vais demander aussi, je voudrais bien pouvoir faire ceci de plus en plus comme ça. Ça va vous permettre de pouvoir... Beaucoup d'entre vous avez des questions. Même quand on parlait des ancêtres, beaucoup vous avez des questions. On peut faire une directe question. Là, carrément, c'est aussi question. Hein, parce que quand il s'agit des ancêtres, là, si ils lisaient tous les messages des ancêtres. Maman, la sueur de ça, hein. Jesus. Ok, Delphine dit que c'est elle, Delphine Doumene. Même Mathis Senzo, Martine. Martine Mani. Tanja Galima. Le nom, c'est de dire quoi? Depuis, tout le monde peut donner son nom. Qui l'arrête de toujours voir faire les choses? Pas très droit là. Arrête de faire les choses qui sont pas bien. Arrête de faire les détournées. Fais le faux. Qu'il
qui se concentre sur une voie, qui suit une voie. Concentre-toi sur une voie. Et il verra comment le Seigneur va lui ouvrir le cœur. Tu as laissé l'ennemi pervertir ton énergie aussi. Tu es un grand commandeur. Quand tu te concentres, il y a de grandes choses que tu peux faire. Mais tu as voulu passer par, on va dire, je ne vais pas dire le raccourci, mais tu es un peu à l'aise, tu n'aimes pas trop bosser, tu n'aimes pas, non, tu ne veux pas ça. Or, tu vas trouver ton accomplissement et l'accomplissement intérieur quand tu vas te mettre et commencer à le faire. Il y a des choses que tu vas couper. Moi, le ventilateur, j'avais besoin. Regardez comment ma peau brille. Jesus. Ça, c'est le travail. Hein? Enfin. Bonsoir, Karine, la reine d'or. Comment tu vas? Me benga, Jules. Tu es parfois évasif quand ce sont les choses qui vont te servir, vraiment qui vont t'aider. Et parfois, on dit que va là-bas, tu fais ça, ça va t'aider. Tu vas partir, arriver en route, tu vas trouver un autre truc, tu vas virer, tu vas partir plutôt. Tu ne prends pas vraiment les trucs au sérieux. Il y a une personne dont un homme de famille doit être opéré. Ok, il y a une personne, oui. Il y a une personne dont un membre de famille doit être opéré. Mm-hmm. Ce que j'entends Dieu dire par rapport à ça, c'est que aujourd'hui il sèche. Parce que je vois le ventre. Le ventre, il y a quelqu'un, un membre de votre famille va être opéré du ventre. Il sèche tout ce qui était anormal. Parce que c'était un moyen de prendre cette personne. Donc il sèche tout ce qui était anormal dans le ventre de cette personne. Et que cette personne ne parte faire l'échographie. Ok. Que la personne parte faire l'échographie. Du ping. Ou bien moto quoi. Je me demande comment je me suis en badiné. Véronique Ngang. Nyangom. Ça, Ngangom. Devenir Ngangom. Bonsoir. Ne te contacte pas de rester à l'arrière seulement. Permets pas toi de briller, Véronique. Il y a des choses que Dieu a mis dans ton cœur que tu n'oses pas croire. Et tu préfères rester dans la case dans laquelle on t'a mise quand tu étais petite. Oh, tu es en train de grandir, tu es en train de voir d'autres choses, tu es en train de voir. Et quand tu vois, ça fait que Dieu plante des choses en toi. Mais après, tu te dis que non, arrête un peu de te saboter toi-même. James, Galima, là, elle a parlé ici pour toi, non? Que tu aimes souvent faire le faux comme ça, là, arrête de tourner autour du pot. Demain, on va faire avec les micros, je vais chercher les micros. Tu as compris, James? Non, arrête de demander pardon. Parce qu'on est là balayé pour toi. Là où je suis là, comment je suis bon, c'est fatigué, je suis fatigué. Abonnez-vous à la page, partagez ma vidéo. Il faut dire à ma conseillère. Je ne sais pas si elles sont au pays. Elles viennent sur le pays. Charlotte arrive. Mecca est déjà au pays. Donc Mecca va. Ça, j'ai vu ça aujourd'hui. J'ai vu pour Mecca aujourd'hui, j'ai une vision, je dis wow, je lui ai dit que ma chérie, tu sais quoi. Ton couronnement doit être fait. Like. C'est un membre de ta famille, hein, Karine. Karine Don. Ok. Elle a dit un membre de la famille d'un d'entre vous qu'on va opérer au ventre. On déclare que c'est séché. Le Seigneur sèche ce qu'il y avait dans le ventre, la tumeur. Vous partez faire votre échographie. Oh les noms. Étienne Diolamou. Étienne.
quand tu parles de ces nouveaux Ouija, il doit, tu vois, Ouija, quelqu'un grandit, mais ses réactions sont toujours trop enfantins là. Donc, se connecter à Dieu et ça va changer. Parfois il y a des décisions vraiment qu'il doit prendre, mais il n'arrive pas, il ne prend pas vraiment les décisions comme il faut. Il faut toujours que non, malgré son âge, que non, il soit convaincu par la décision. Et il doit apprendre à écouter de son intérieur, être sûr que non, voici ce que je veux, censé faire peu importe ce qu'on dit. Donc il est beaucoup plus guidé par les gens que par lui-même. Tu as compris, Étienne? Étienne, arrête de te laisser guider par d'autres personnes. Suis ta voix intérieure. Il y en a parmi vous, roi et reine. C'était tellement fort qu'il y a des couronnements qu'on va faire carrément. Donc là, ces personnes-là, c'est déjà en cours. Il y en a qui arrivent ici. Vous savez que vous êtes spécial. Et personne ne vous a jamais compris. Vous-même, vous restez souvent, vous achetez, même, certains parmi vous avez acheté la couronne, vous avez mis à la maison. Vous avez acheté certaines choses parce que vous, quelque part, vous savez. Mais il y a le sabotage qui vient de vous-même d'abord, de votre mental et de l'entourage. Écoutez juste les vidéos qui sont ici. Ça va d'abord construire votre foi, ça vous permet de comprendre ce qui vous arrive. Parce que c'est l'esprit qui appelle. Quand Samuel devait partir contre David, l'esprit m'a dit, va mettre lui sur sa tête. Il n'a pas demandé de nous savoir. Va mettre lui sur sa tête. Et aussi beaucoup d'entre vous, vous avez beaucoup de religions encore dans la tête qu'on doit retirer pour que vous puissiez vous reconnecter à votre à vos racines vraiment, et que vos dons soient activés. Il y a des enseignements que vous avez reçus quand vous étiez dans des églises, ça a bloqué vos dons, ça a bloqué vos dons. Voilà. Je déclare que ce qui a été fait ce soir est scellé. Je déclare que vous n'oublierez pas ce qui vous a été dit. Et que ce sera aussi le début d'une quête. Vous allez commencer à chercher. Et dans vos recherches, je demande à vos anges gardiens de vous guider, de vous parler, d'agir en vous pour le vouloir et pour le faire. Donc, ils mettent la volonté en vous, vous partez seulement faire. Pour le vouloir et pour le faire. Et pour ceux qui sont vraiment dans l'amertume, parce que vous pensez que oh, ma famille vous déteste et tout ça, je mets en vous la paix, le pardon. Voilà. Et surtout, vous-même, vous savez que j'aime l'argent. J'appelle votre argent. Ou que ce soit que l'argent l'est caché. Je déclare qu'il y en a parmi vous, le Seigneur me dit, vous dites spécialement, c'est un parmi vous, vous êtes dans un boulot, vous savez que vous voulez arrêter. Et vous avez peur. Quand vous me voyez, vous savez que ce qu'elle fait là, je sais, I know. Et vous avez peur. Arrêtez d'avoir peur. Arrêtez. Ouvrez-vous, open up. And trust. Faites confiance. Vous pensez vraiment que si vous devez mourir là, c'est que vous n'êtes pas mort depuis. Quand tu avais 2 ans, c'est toi qui te protégeais. Quand tu avais fait l'accident un jour là, tu allais mourir là, c'est toi qui te protégeais. Il y avait tes anges qui te protégeaient. Maintenant, certains d'entre vous, ce soir, vous avez appris comment leur parler. Vous êtes rentré en contact avec eux pour la première fois. Dans la nuit, certains vont vous parler. Parfois même, peut-être, il y a une la semaine passée, elle m'a dit, quand je priais avec elle, j'ai vu un ange au-dessus de sa voiture. Je lui ai dit, elle a donc commencé à dire, ok, ange gardien, si c'est toi, parle-moi. Le lendemain, elle a vu une plume devant le parking. Et les anges, parfois, vont se manifester. Tu vas peut-être trouver une plume comme ça, quelque part. Ou bien tu vas dans une pièce comme ça. Dès que tu ouvres la porte, quelque chose tombe. Ou bien quelqu'un vient, dès qu'il arrive à ta hauteur comme ça, la poupe, quelque chose qu'il avait à main tombe. Parfois, c'est des signes que les anges vont utiliser pour attirer votre attention. Ok? Oui. Parfois, tu es en train de regarder la télé comme ça, tu zappes la télé, tu tombes sur quelque chose. Quand la personne parle, c'est comme si ça parlait à ton esprit. Parfois, le micro-ondes reste comme ça fait ting, il n'y a rien dedans. Personne n'a appuyé. Ou ça reste, ça fait ti, 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 tout seul. Donc, ils vont communiquer avec vous. Parce que ne croyez pas qu'ils vont seulement vouloir venir dire ok. Pendant qu'elle a 2 heures de direct, je te parle pendant 30 secondes, c'est tout. Ils essaient de rentrer en communication avec vous depuis. Et ils ont besoin de plus de personnes qui vont venir pouvoir écouter. Parce que ce que je fais, elle fait, c'est quoi? Elle écoute et elle le dit. Beaucoup d'entre vous ont ce don-là.
Donc c'est fini le moment où vous dites, oh, pasteur, je ne connais pas. Ouais, c'est fini, arrêtez. Il ne comprend même pas. Je n'ai même pas les anges. Il ne me parle jamais. Arrêtez. Allez donner, allez donner le vent là, s'il vous plaît. Vous allez voir. Vous allez voir. Pour avoir ce que je n'ai jamais eu, je dois faire ce que je n'ai jamais fait. Il y en a parmi vous, c'est la routine chaque jour. Routine, routine. Sors demain là, tu prends le vin là, tu pars aux ancêtres de la terre où tu es. Tu appelles tes ancêtres qui sont là-bas, que voilà, grand-mère. Vous parlez en patois. Certains parmi vous connaissez le patois. Oh, je gueule. Oui, allez parler ça. Je suis venu avec ton vin favori. Tu t'appelles quand tu buvais souvent là, non? Tu fais quand tu bois un peu une gorgée comme ça là, tu ris un peu. Communiquez avec eux. Oh, buvez quoi? Vous buvez quoi? Bon, par la grâce de Dieu, je veux dire que hier j'ai commencé à enseigner la fête. Je sens que je n'avais pas enseigné seule parce qu'il fallait qu'elle soit là. J'ai commencé l'enseignement hier, ça s'est coupé. Bon, je veux dire que maintenant je ne travaille plus seule parce que le Seigneur, quand il appelle, il équipe. Donc il y a plein de belles choses qu'on est en train de préparer. J'ai mis le numéro là-bas. Voilà, ceux qui veulent contacter, contactent vraiment pour ce soir. Il est 21h. Je suis debout depuis 5h. Hier, j'ai dormi à 1h. Donc, il faut que je me repose ce soir. Les consultations. Si vous m'avez déjà payé et que je ne vous ai pas encore consulté, je peux exceptionnellement consulter demain. Voilà. Mais normalement, j'ai prévu pour mercredi parce que demain, je dois être en train de travailler. Donc, je peux le faire très tôt. J'ai une qui est venue de France que je suis censée rencontrer demain matin. Oui. Donc, envoyez le WhatsApp en tout cas. Vous avez compris, non? Bon, je vous remercie. Et les bijoux seront bientôt disponibles. Ils sont déjà arrivés. C'est déjà là. Les couronnes comme ça. Vous allez voir que vous serez étrangement attiré par tout ce qui est... Vous voyez un peu? Vous voyez? C'est pour ça que vous êtes dans mon direct depuis que vous me regardez comme ça. Vous dites, mais la fille, si. Je sais pas pourquoi je... Ouais... Il y a quelque chose qui vous appelle et puis vous devez répondre à cet appel. Arrêtez de chercher ce qui va vous distraire, ce qui va vous aller regarder la pornographie. Arrêtez. Concentrez-vous, vous allez voir. Voilà. Ok, bon. Si je suis pas la direction de l'Esprit Saint demain, on sera connecté ici. Je déclare que vous recevrez les réponses à vos questions. Je déclare aussi que pour ceux qui ont trop de tristesse en eux, vous êtes guéris pendant cette nuit. Vous êtes guéris pendant cette nuit. Nous venons contre tout découragement. Nous venons contre ceux qui sont vraiment bloqués en Europe depuis longtemps. Pendant que vous donnez le vin là demain comme ça, vos ancêtres vous montrent qui vous devez appeler, là où vous devez partir pour recevoir vos papiers, pour recevoir vos réponses. Voilà. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. Et je dis Amen. Voilà. Dormez bien. Je vais rentrer tôt aujourd'hui. Vous imaginez, j'ai fini mon boulot tôt aujourd'hui. Parfois, j'ai fini comme ça. J'ai même 25 messages sur WhatsApp. Et là, on répondre. Donc, prenez seulement votre mal en patience, s'il vous plaît. On va vous répondre. Il y a aussi beaucoup de personnes, vous avez envoyé vos rêves. Vous avez beaucoup depuis 2 jours, puisqu'on est en train de jeûner. On a 30 jours de jeûne qu'on est en train de faire. On est au 5e jour. Et j'ai beaucoup de personnes qui ont fait beaucoup de rêves qui m'ont envoyé. Je vais les interpréter, s'il vous plaît. Par la grâce de Dieu. Ok. Passez une très bonne journée. Non, une bonne nuit. Te force zou. Dites-moi alors, te force zou. Bye bye.